Bon bah on va être parti du coup pour cette troisième semaine de League Discord solo face à Linovas, Revilo et Whipmop. 4 maps hein, comme d'hab. Donc cette fois-ci on aura affaire à Parcoco, Android, Château Cortex et Horloge Wumpa pour finir. Ça va être compliqué, surtout qu'on connaît le niveau Skydrake, les deux autres je ne les connais pas. Mais Linovas Skydrake, ouais, on a l'habitude avec lui depuis un bon petit moment de le voir à gauche à droite. Donc on va faire ce qu'on peut, je suis pas forcément chaud, j'ai fait qu'une course là avant. Et on va faire ce qu'on peut, hein, de toute façon on est là pour ça. Essayer de gratter le maximum de points et de remonter dans le classement. Ok, on est parti par Coco directement. Let's go. J'ai raté mon départ. Ça commence bien. Hop là, je pète Skydrake et non, on part devant. Hop là, le deuxième. Oh, je vais les faire chier, hein. J'en ai rien à foutre. Allez, maintenant, on assure une bonne run. Attention à la fiole. On pose une fiole dans l'herbe, ça risque d'aller faire chier. Ouh, celle-là. J'ai bien fait de pas me la prendre. Ok, on a une petite avance confortable. Essayez de maintenir ça. Wouhou! Au moment où je dis ça, je frôle une fiole. Heureusement qu'on ne le s'est pas prise. Ah là là, allez, c'est bon. Les trois autres, là, ils se font la guerre à l'arrière. C'est Star Wars. Nous, on s'est envolé. Ouais, ça fait trois fois que je la frôle cette fiole, elle m'aime pas bien. Et ben on aura pris une sale avance sur cette course. Et voilà qui va venir conclure directement. Ben voilà, première course par Coco, on est bon. Et on s'impose directement, on prend les points. Les Niovas qui finit deuxième. Whipmop qui assure sa troisième place. Et Revilo qui finit malheureusement dernier pour lui. Voilà les résultats de cette première course. On peut directement passer à Android. Allez, deuxième course Android, c'est parti. Essayez de faire la même que par Coco, ce serait nickel. Bon, j'ai perdu mon feu. Tout ça pour shooter un mec. Bon, c'est pas grave. Hop, on va prendre les feux. Ouais, je t'ai vu venir. Pas nous. Oh, c'est quoi ça? C'est une missile. Quoi? Oh bah la doublette. Oh, ça y est, je l'ai énervé lui. Alors lui, je sens que je l'ai énervé. Il m'en veut. Mais bon, c'est pas grave. On va avoir des bons items. Ah! Alors là, on va pas se mentir. On est dans la sauce. Donc là, ça va être l'heure de faire ce qu'on peut. Oh, je prends même pas les Wumpa. On va essayer de faire une remontada, hein. Ah, oh, j'ai pas... Je prends pas les items. Ah. Non, ça me met dans la sauce en fait là.
le moteur. Alors c'est certes, je vais avoir un blue, mais je perds ma réserve instantanément derrière. Tant pis, on va l'active. Hein. J'ai pas le choix. Ah bah j'en ai un deuxième, donc au pire. Voilà, ça c'est nickel, comme ça, dès que j'ai plus ma réserve, hop. Ah, j'ai pris une... Ok. Oh, voilà, ça c'est un bon item qui va nous carry la game, peut-être. Même si Skydrake est déjà bien parti devant. Là, on va combiner cet item et essayer de faire quelque chose. Alors, où est ma prochaine barre d'item? Là-bas. J'ai pas les 9 Biddy Pommes, c'est pas grave. Oh, voilà, j'aurais peut-être pu prendre la caisse avant. Donc, le plus important, c'est au moins de stopper. Skydrake était bien parti devant. Mais non, mais j'en ai marre de cet item. Oh, ça y est, c'est bon, bon. On va peut-être pas compter sur Android, du coup. Ah, ce serait bien au moins de rattraper les deux qui sont devant. Ah, full réserve. Non, mais les gars, je la prends pas celle-là. Je passe à côté. Tu me donnes les... Ah. Ouais, il y a des maps comme ça, ça veut pas après, mais bon, c'est pas grave. Tant pis, tant pis, tant pis. Oh là là, mais il me donne les pires items du coup. Et je prends... Oh là là. Bon, le dernier tour. Android qui nous aura mis dans la sauce. Ah, j'ai vraiment seum pour cette course du coup. Bon bah c'est... Pff, non mais... Ah, 3 missiles quand les mecs ils ont terminé leur course. Binox, putain. Non mais sérieusement, vous êtes vraiment des débiles quand, sur la gestion d'items. Enfin, sur la distribution d'items, pardon. Ah, sur ce coup là, ouais, non, pas ouf. Le train que je sais même pas comment je le prends, la fiole rouge passe à côté, je me la prends, bon bah quand ça veut pas, ça veut pas. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Allez, troisième course. Bon, Château Cortex, vu que je démarre à droite en quatrième, je vais peut-être tester un truc. Se mettre en arrière. Ok, bon bah le Nivos qui a écrasé les deux. Et là, les Nivos, je vais pas te laisser t'enfuir. Oh, je vais jouer safe, j'en ai rien à foutre. Oh, je joue mal. Ah, il a une boubleu aussi. Le petit salaud.
Allez, on se concentre, on fait pas d'erreur. Il veut pas perdre son blue lui devant. J'essaie de me rapprocher de lui. J'ai l'impression que je le rattrape légèrement. Ah, c'est de la merde. Oh ça j'avais pas le droit de faire ça. Voilà, au moins tu me laisses ma deuxième place. Allez, allez, fais pas le con. Voilà, au moins on a sur la deuxième place. Dommage que j'ai perdu le blue à la fin, mais au moins whip him up, je l'ai pas laissé passer. Et ça c'est plus important. Donc 6 faits sur 3 courses, une première place, une quatrième et une deuxième. Il manquerait plus qu'à faire une troisième place, mais... Voilà. Par contre, Lenovas qui fait deux fois premier. Il prend les points, il prend les points. Donc bien joué à lui. Et donc dernière course, horloge ou pas. Allez, dernière course, on essaye d'assurer. Et pourquoi pas envoyer Lenovas dans le fond de la course pour un maximum de points. Bah tu es censé la prendre en fait cette TNT. Mon cher Révélo. Non, j'ai pas mon feu. Je fais nimp. N'importe quoi. Genre même du pont de la caisse en vrai. Oh je vois Lenovas qui est quatrième. Une mauvaise course qui commence pour lui. On va essayer de jouer un peu safe. Oh il se prend ma TNT. Yes, let's go. C'est TNT qui a été efficace en fait. J'ai eu chaud. Oh j'ai eu très chaud. On joue safe, on fait pas les cons. On leur met des items. Lenovas qui est déjà remonté deuxième. Hop là, genre bouge le passage comme s'ils sont obligés de prendre large. Oh l'horloge qui fait mal. Allez hop, nous on prend le feu sacré. Normalement on a eu suffisamment d'avance pour essayer de maintenir cette place. Tout ce que je peux espérer du coup au niveau points, c'est que le crunch arrive à redépasser Lenovas. Oh c'est miné ici. Oh c'est miné. Allez, en une de plus, c'est gratuit. Et ce dernier tour qui est encagé.
Allez, hop, une de plus aussi. Ça fait pas de mal. Oula. Oula là. C'est encore miné ici. Bon allez, une petite dernière pour plaisir. Et on finit cette dernière course avec une première position. C'est nickel. Ça fait 2 victoires pour moi, 2 victoires pour Ligno Vas. Par contre lui, c'est souvent 2e ou 3e. Alors que moi je fais 4e sur Android. Donc je pense qu'il finit devant. Moi 2e. Et après les deux autres, je sais pas. Mais en tout cas, bon bah voilà. Pas mauvaise prestation, hein. Je suis plutôt content. Les résultats sont sur cette semaine 3. Donc Ligno Vas qui finit premier à 16 points. Je suis juste derrière lui avec 14 points. Donc ça s'est joué vraiment très serré. Hein, les 2 victoires chacun. Mais Android qui m'a fait du mal malheureusement. Et derrière nous avons... alors c'est Whipemop qui finit à 9 points. Et Revilo dernier avec 5 petits points. Donc voilà pour lui. Donc ce qui fait qu'au total... Nous avons 43 points en ces 3 semaines. Ligno Vas est à 47. Whipemop 40 et Rivelo 37. Bah du coup, merci pour ceux qui ont suivi en live. Merci pour ceux qui regarderont la VOD sur YouTube. On se retrouve dans la fin de semaine pour le 4v4 de la ligue Discord avec Jumpy, Mika, Nicozer, Polsky, Mr. Hack. 3 de ces 5 là. Et on devra affronter les Evictus Relics justement. Donc l'équipe de Ligno Vas, mais pas avec lui. Ce sera l'équipe de Yoki et d'autres personnes que je ne connais pas. On a un résultat à aller chercher et on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc voilà. Donc,